السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. كما وعدتكم رايحين نمروا للسنة الثانية ورايحين نشوفوا فرض مع بعض تجريبي، طبعا يمكن يطيح لكم يمكن، يعني المهم يكون فيه الأسئلة نفسها، يعني نفس الطريقة نتاع سرد الأسئلة. نبداو، رانا في لي فابل دونك بديتوهم. Le renard et la poule, الثعلب والدجاجة. Un renard affamé entre dans le poulailler d'un paysan. يعني دخل للسجنة نتاع واحد الفلاح. Trouva au nid une poule qui couvait ses œufs. دونك لقى دجاجة محضنة على في العش تاعها، محضنة في بلاصة محضنة على البيض نتاعها. La poule dit au renard, ne me mange pas pour le moment. Je t'en supplie, je suis maigre. Attends un peu que mes petits soient grands. قالت لها ما تاكلنيش درك، من فضلك خليني غير شويه، انا رقيقه، خليني غير شويه قد اللي ولادي يكبروا. Tu pourras les manger. Ils sont tendres et sans dommage pour les tes dents. قالت لها ملاح، يعني يكونوا طريين على اسنانك. Le renard répondit. J'ai des dents solides capables de mâcher n'importe quelle viande. قال لها اسناني يعني قاسحين وياكلوا اي لحم، ميم لا بلو دور. Là dessus, il dévora la poule et s'enfuit aussitôt de la ferme. Une poule avertie n'est jamais à l'abri. Donc, كلاها وهذه هي المغزى. Donc, la morale, une poule avertie n'est jamais à l'abri. يعني كي نحن نعلموا واحد ماهوش حتما راه يعني في امان. Nous les questions. Compréhension de l'écrit. Complète le tableau suivant. Qui? Quoi? Il fait quoi? À qui? Comment ou pourquoi? Donc, il y a tout le tableau. Choisis la bonne réponse. Ce texte est le type argumentatif, narratif ou la explicative. Un renard affamé. Cette expression signifie que le renard est à soif. Il a faim ou là il a froid? Quels sont les personnages de cette histoire? Où se passe l'histoire? Le texte. Réponds par vrai ou faux. Le renard veut jouer avec la poule. La poule était grosse, Kentsimina. Vrai ou faux? Finalement, le renard mangea la poule et ses œufs. C'est vrai ou c'est faux? Relève du texte deux verbes introducteurs de parole. Les verbes introducteurs. Donc, A ou B. À qui renvoie le pronom souligné il dans le texte? Alors là-dessus, il dévora la poule et s'enfuit aussitôt. Hadik il rahit oud alamen. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Il, le verbe manger, les loups, avoir faim. Yani wala as'al. Nkemlo. Donc, nchoufou hnaya. Complète 9. Complète le tableau suivant. Adjectif, un de courant. Prudent, attends comme les suffixes ou attends comme les adverbes. Joyeusement, t'haouss à le suffixe ou t'haouss à l'adjectif. Andek courant, atteigne les suffixes ou atteigne l'adverbe. Wena, largement, atteigne le suffixe ou atteigne l'adjectif. Quelle est la morale de cette histoire? Raha kainaf li goutaïkoum gbila. Une poule avertie ne veut pas dire. Voilà. Aïe. La poule avertie n'est jamais à l'abri. Situation d'intégration. Voici la fable de la fontaine, le corbeau et le renard. Réécris le dialogue entre les personnages pour la jouer avec ton camarade. Alors, un corbeau ayant volé un morceau de viande se percha sur un arbre. Un renard l'aperçut et voulant se rendre maître de la viande, loua sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux. S'il avait de la voix, le corbeau voulant lui montrer que la voix ne lui manquait pas, lâcha la viande. C'est-à-dire que ça, le ghourab avec le thalab. Alors le ghourab, il y a une petite partie de la viande, et le corbeau, le thalab, il a dit. قال لها ودي هضروا لنا قالوا لنا بلي نتايا عندك صوت مليح وكل شيء.
باش بالعاني هي حيلة، سيت اون غوز باش الغراب يطلق هذيك القطعه نتاع اللحم. الوغ كو لا فوا نو لوي مونكي با لاش لا فيوند اي بوسا دي غران كري وقعد يزقي. لو رونار سو بريسيتي سيبيتا اي سيزي لا فيوند ان لوي ديكلارون كي نو لوي مونكيري ريان بور ديفونير لو روا دي زوازو سي لافي اوسي دو جوجمون. دونك هنا يعني ورونا الحماقه نتاع الغراب. الوغ كريتير دو ريوسيت اكري لي نون دي بيرسوناج، utilise les verbes introducteurs de parole, met les signes de ponctuation du dialogue, écrit les paroles de chaque personnage en employant le présent de l'indicatif. Hna met renard, on bat le corbeau, on bat bête renard. On m'attend comme yani qui déroule le style direct. Nchoufou l'en, elle ajouiba. Alors, dirou l'hassab nas, donc, qui l'auteur Ésope, vous lirez ce qu'il a dit, fable d'Ésope. Quoi, il fait quoi, raconte un yahki, à qui, à nous les lecteurs, nous le qurra, comment, par une fable, pourquoi, pour donner une leçon de vie, bechatina dars fil hayat. Je choisis la bonne réponse. Ce texte est du type narratif, narihki. Un renard affamé, yani, a faim. Affamé. Déjà, comme tu oublies, affamé, qui a une faim, yani, jian. Les personnages de cette histoire, Anna le renard et la poule. L'histoire se passe dans le poulailler de la ferme. Yani, fesijna ta, le, mazra. Je réponds par vrai ou faux. Le renard veut jouer avec la poule, c'est faux. La poule était grosse, c'est faux, khata. Finalement, le renard mange à la poule et ses œufs. Oui, c'est vrai. Je relève du texte deux verbes introducteurs de parole. Andek dit, yakoulou, ou répondit. Généralement, les personnages. Le pronom souligné il, dans le texte remplace, il remplace le renard. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Il mangeait. Tigla er ou dire er, hadem ken, parce qu'on a il. Les loups, le verbe avoir, ont faim. Hadem ken. Je complète le tableau suivant. Andi, adjectif courant, dire amant. Elle est, parce qu'on dit ant. Gare les adjectifs qui se terminent par ant, en, idou, deuxième ent, couramment. Il vous lit l'adverbe couramment. Andi, joyeux, hadem là. Le dauphin féminin. Annamment, joyeusement. Tma, le féminin ta, joyeux, joyeuse, on dit mon. Prudent, andek ent, c'est tout li. Deuxième, ent ou le eugod. Donc, ment, prudemment. Tankara, prudemment, amant. Andek large, large c'est là. Andek e, dit mon, largement. Edaruma. Rouhou la situation d'intégration. Alors, عفوان هنا يا voici la fable de la fontaine, le corbeau et le renard réécrit le dialogue entre les personnages pour la jouer avec ton camarade. هنا يا نديرو le dialogue au نجح. إذا à partir من هاد le résumé de la fable du corbeau et du renard, Rahim dirou les paroles ou là le dialogue entre maître corbeau et le renard. Donc, il oh que vous êtes beau, vous devez être le roi des oiseaux, mais seulement si vous aviez hein, une belle voix. ولكن يا ليت لو كان عندك صوت شباب، يعني بين له بلي كوم كوا نتايا شباب وكل شيء، بصح خاصك صوت شباب. هو علاه الحيله انه لو كوربو يامنه ويغني له ولا ويطلق هذاك المغصو تاع اللحم. لو كوربو او كو سي جي اون بيل فوا ايكوتي مون شون، يعني الغبي تاع الكوربو شادر قال له لا عندي، وطلق حل فمه. Il ouvre sa bouche et lâche le morceau de viande et il commença à crier ou des aguets. Alors, maître renard, renard chegella,
Pauvre corbeau, ya mesquine, rien ne te manque pour devenir roi, mais il te faut aussi avoir du jugement. لازم تكون فطن، يعني انا درت لك حيله وانت بلعت هذيك الحيله وطلقت المرسو تاع لافيون. دونك هذا هو، نحاول باش نصغره شويه، عفوا عفوا، باش هنايا فوالا نزيد نصغر لكم باش ديرو كابتور ديكران. دونك عندكم هنا هذه ونزيدو فوالا، يمكن تحكم في الفرن. بالتوفيق لأبنائي وبناتي، والسلام عليكم.